Non, tu rentres avec moi, tu rentres dans mon débat avec moi, c'est mieux. Non, non, non. C'est quoi ça? J'ai trouvé mon prochain. Ridicule. Non mais ça vient à ce que tu veux mourir. Ça vient à ce que tu... toi tu veux mourir. Moi je veux pas mourir. Moi je défends les fans de ma communauté. Eh hey, les Renois, on est belles. On est belles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, les meufs Renois, elles sont trop agitées. Nanana. Quand une Gouère elle est agitée, on dit qu'elle est détendue. Quand une Renoir crie, elle est sauvage. On crie alors. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc d'ouf ça. Oh, c'est horrible. Ouais, c'est la batterie, faut que tu l'enlèves et tu la recharges. C'est vrai, cool, non? Bon, allez, maintenant je l'ai vu les faire. J'ai t'as compris, c'est là? Ouais, c'est bon. Vous êtes là, vous faites du mal à une communauté, vous insultez les gens. Ah, mais moi je préfère. Ah, mais ça. Ou encore, t'es pas trop foncé pour une Renoir. Ça va, pour une Renoir, t'es pas noir quand même. Non, moi je vais leur dire un truc. Voilà. Moi je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi? Parce que vous, déjà les Renoirs de votre propre communauté, les mecs, ceux, déjà ils boycottent de ouf les Renoirs. Mais c'est ce que je dis. Les femmes. C'est à cause d'eux en fait. Déjà, ça commence par eux-mêmes. Tu vois, c'est comme si les rebeux, ils disaient ouais, les rebeux, ils n'aiment pas les rebeux. Mais il y en a grave. Ah, rien, la grave qui kiffe, mais il y en a grave. Mais je suis. Mais bon. Mais regarde. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Que, on se fait, que genre, c'est, les, c'est ça que je dis. C'est les mecs Renois qui boycottent. C'est les mecs Renois qui commencent à insulter. Donc, du coup, ils donnent le bâton pour nous battre, tu vois. Après, nous, on n'a pas besoin d'être défendus et tout. Mais moi, je trouve qu'il y a un acharnement sur les Renois. Et moi, en tant que meuf Renois qui a de l'influence sur les réseaux, j'envoie des vertes et des parmures. Je reçois des compliments. Des fois, ce n'est pas des compliments. C'est des compliments racistes. Pour moi, ouais, c'est des compliments grave racistes. Et racistes banalisés. C'est du racisme banalisé. C'est un truc de ouf. Les mecs qui nous critiquent et tout, c'est décomplexé. Les Renois qui nous critiquent, voilà, c'est décomplexé. C'est décomplexé de merde. Parce que eux, quand ils se défrisent, on leur dit rien. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ça me fout la rage, ça me c'est comme, frère, comme Beyoncé, frère. Il n'y a pas un Renoir qui n'aime pas Beyoncé, frère. Ça, c'est une Renoir. Non, mais attends. Mais parce que Beyoncé, elle rentre dans l'éthique. Beyoncé, elle est claire. Beyoncé, tu vois ce que je veux dire? Mais il de... y avait une Renoir, elle était grave foncée. Elle a été élue... Lupita Truc, là. J'ai oublié son nom de famille. Frère, elle n'avait pas beaucoup de cheveux, en plus. Ouais, c'est Lupita Truc, là. Elle était foncée, tu vois. Mais, genre, je trouve que, surtout les Français... Les noirs français, voilà, ils ont un complexe incroyable. C'est atroce d'être comme ils sont. C'est abusé d'être comme ça. Ah, mais tu sais que moi, j'ai des potes Renois. Leur daronne, elle disait, tu ramènes Renois, c'est mort, je veux une blanche. Mais voilà. Ça, c'est des darons complexées. C'est des darons, elles ont pas compris. Comme elles sont dans la salle. Ça, c'est des darons, elles sont complexées. On a grave comme des elles sont moches. Tu vois, parce que les gens sont moches. Donc, ils veulent pas que leur descendance soit moche. Ils veulent essayer d'assurer leur descendance. Mais t'es KO, t'es KO. Si ton enfant se met avec un orange, si t'es KO, t'es KO. Ça sert à rien de nous fatiguer. Y'a quoi? Mais si tu te mets avec un rose, t'es moche, t'es moche. Lupita Nyong'o. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Bah ouais, écoutez Fatou, ma gueule. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça va être pas mal. Regarde le footage de moi, je suis en sérieux. Non, c'est n'importe quoi. Franchement, faut arrêter. Ils sont là, ils sont moches. Leurs enfants vilains. Avec leurs narines, on dirait des trous de métro. On peut faire des échelles, escalators, ascenseurs, 7 étages. Et puis c'est eux qui nous critiquent. Et bien en plus, c'est pas sérieux, vas-y, arrête. Voilà, ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon, j'arrête. Oh. Ouais, j'arrête, j'arrête. Là, ça m'énerve. Bah, ça m'énerve, wesh. Ça veut toujours, on va se fâcher. Non, vas-y, excuse-moi. Non, c'est vrai. Les Renois, là. Enfin, les darons qui disent à leur fils Renois, je veux pas une Renois, je veux une blanche. Vous avez pas de cœur. Mais c'est parce qu'elles sont KO. C'est leur... parce que elles-mêmes, elles sont moches. Leurs enfants, ils sont moches. Elles veulent assurer leur descendance, wesh. C'est des darons, elles sont complexées. Ça, c'est des gens qui sont complexés, ça. Ça, c'est des complexés.com. On les calcule pas, eux. .com. Complexés.net. Voilà, on les calcule pas, eux. .net. Mais faut arrêter. Le prochain que je vois en DM qui me dit « Ah, ça va, t'es belle pour une Renoir, ça va, t'es très fort pour une Renoir », je lui insulte, c'est mort. C'est bon ou pas? Oh. C'est n'importe quoi. C'est bon, les briques? Rigole pas, hein. Toi, tu rigoles pas, hein. Ta tête, là. Ta tête magnanime. Ton visage magnanime, là. C'est pas drôle, hein. Qui est pas d'accord dans le tout ce qu'on a dit? Et toi, tu dis quoi dans ta famille? Moi, dans ma famille, ils sont pas racistes. Moi, dans ma famille, ils rejettent pas les gens. Devine, t'es méchant. Mais devine, on va te bloquer. Et ça va, t'es belle pour le Renoir. Les meufs africaines sont trop vicieuses, mais subhanallah. J'ai vu celui qui a écrit ça, je vais pas te commenter. Ah, ça, non, mais en dehors de ça... En dehors du vice, que tout le monde a du vice.
Tout le monde a du vice, frérot, Yann. Mais en vrai, moi, là, on parle physiquement. Physiquement, je trouve que les meufs renois, elles sont trop attaquées. Elles sont trop attaquées et elles doivent trop fermer leur gueule. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont attaquées, elles sont insultées. On les critique. Pardon. Comportement. On les critique, on les insulte. Je me positionne pas en victime, tu vois. Mais c'est abusé comment on les traite. Voilà, c'est pas normal. On dirait des fois, c'est même pas des femmes, genre. Je t'en prie. Non, mais les gens, ils rigolent. Moi, j'en souffre pas, mais moi, j'ai des filles qui m'envoient des DM. Des fois, c'est inquiétant. Et il y en a qui se suicident à cause de ça, hein, parce qu'on se moque trop d'elles. Faut arrêter. Hein. C'est vrai, voilà, c'est vrai. C'est pas rigolo, franchement, c'est pas rigolo. Black power. Pas black power. Je suis pas là pour faire du nationalisme ou quoi. Pas black power. Woman black power. Toi, continue. Putain. Là, c'est un live, hein. C'est pas, tu peux mettre la musique, quand même. Ouais, tu peux mettre la musique. Ouais, donc, on disait, ouais, la famille, ouais, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est pas bien. Salut Leïla, bonsoir. Moi, je suis pas d'accord. T'as vu, je voulais prévenir mon mécontentement, et voilà. Tu te fous de ma gueule, mais... Non, appelle gilet jaune, Renoir. Ou gilet jaune, Renoir. Power, woman. En fait, là, tu crois que c'est une blague? C'est vrai, frère. Tout le monde, tu veux que je te fasse du mal devant tout le monde? C'est vrai, frère. Après, quand tu vois des Renoirs qui enlèvent leur perruque sur Snap, après, elles rigolent. J'avoue, non, c'est mais vrai. Ça c'est des. Non, mais il y a des meufs. Non, mais il y a des meufs. En fait, elles veulent tourner ça en mode autodérision. Mais les meufs aussi, Renoir, qui n'ont pas de comportement. Là, on va parler de vous parce qu'en fait, vous commencez à m'énerver. J'avoue, les Renoirs, ils ont pas de comportement. Il y a des Renoirs, ils n'ont pas de comportement. Ma chérie, t'es bleu comme minuit. Qu'est-ce que tu vas faire du blond platine? Tu veux que je te mette un coup ou quoi? T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire du rose? Mais t'es folle ou quoi? Reprends-toi là. Non, mais tu défends pas la communauté, toi. Voilà, toi qui fais ça, tu défends pas la communauté. Ouais, je t'ai folle ou quoi? Non, mais faut arrêter. Vous aussi, des fois, vous aimez trop abuser. Vous manquez de comportement. Après, quand on vous insulte, vous faites les victimes, mon frère. Putain, c'est vous les gnafous. Vous êtes des gnafous, vous. Vous qui savez pas vous habiller, vous qui abusez, vous qui mettez des rouges à lèvres, des roses à lèvres. C'est abusé d'être comme ça, franchement. Ah, mais il y a des trucs, vous savez que vous n'avez pas le droit de les faire, mais vous abusez, vous voulez braver l'interdit. Tu crois que tu t'appelles Martine ou quoi? Arrête de faire du blond, ma soeur. Reprends tes émotions. Oh. Samir, voilà, je rigole pas. Voilà, j'ai rien fait, ouais, c'était Samir. Samir, voilà, t'as envie de rigoler. Samir, je te jure, je vais mordre ton front. Je vais mordre ton front. J'ai rien fait, ouais. Je vais mordre ton front. Il se fout de ma gueule, il croit que c'est une blague. J'ai rien fait. Mais voilà, c'est pas une blague, je te jure. J'ai rien fait. Ouais, moi aussi, tout ça, vas-y. Vas-y, voilà. Voilà, je suis pas d'accord. Voilà. Samir, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle ce que je suis en train de dire. Je te parle de filles qui souffrent de mal-être. Bah oui, frère. En plus, la dernière fois, on en parlait. Non, c'est vrai, les Renois. Non, mais la dernière fois, je te parle de filles qui souffrent de mal-être, qui souffrent de. Parce qu'elles sont. Tu vois, il y en a carrément, à cause de ça, t'as des filles qui se blanchissent la peau. Mais frère, Michael Jackson, il a fait quoi, frère? Ah. Toi, je vais. Michael Jackson, il a fait quoi, frère? Hein? Il s'est blanchi la peau, mais parce qu'il avait des problèmes de peau, lui. C'est pas pareil. Atoum, viens, on va parler, mon ref. Non, mais Atoum, sérieusement. Atoum, sérieusement, vas-y, défends-nous. Voilà, les Renois, c'est trop. Voilà, les Noirs, les filles, vous êtes belles. Voilà, vous êtes belles. Vous êtes belles. Écoutez pas les gens qui vous disent t'es moche, t'es nanana. Stop, wesh. Je veux une dédicace. Hey, Yann, arrête. Là, on parle sérieux, hein. Là, je parle grave sérieux. Vous croyez que je me la casse? Je parle grave sérieux. C'est pas bien. Il y a des filles qui sont pas bien dans leur peau, qui souffrent parce que on se moque d'elles constamment. Parce que t'as des filles qui ont des traits fins, t'as des filles qui ont des gros traits. Là, je parle des filles noires, mais t'as des filles en général qui souffrent parce que on est méchant avec elles. Tu vois, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter d'être comme ça. C'est pas normal. Faut arrêter d'avoir un idéal, un physique idéal. Idéal, genre. Et c'est pas... Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Nouvelle vidéo ce soir.